Bonjour à tous. Suivez votre émission Adoption de Livrance sur votre chaîne GCAM TV. Vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Au micro de Journalité de la Presse, Jonathan Bango. Abonnez-vous massivement et que Dieu vous bénisse. Oui, merci de votre confiance et votre fidélité sur votre émission Adoption Délivrance, où vraiment épée Samaka et Paya évêque Denis Grasse de l'église Mission Vie Abondante, cité d'adoption. Aujourd'hui, vraiment, comme vous êtes en train de voir, très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà avec notre invité qui nous a amené la nourriture spirituelle, qui va nous donner encore la force, vraiment, et qui va nous faire que nous soyons vraiment délivrés dans nos problèmes et nos situations. Bonjour, papa. Bonjour, frère Jonathan. Et nous saluons les gens qui nous ont amené à ce je crois que c'est comme on a vu dans l'émission, mon chouchou, tous les caca, les caca. Et l'on y a frère Jonathan, ils allaient l'on y a mon co-familier dans l'émission de Bélé, Bolandakae. Mais ils ont la charge, moi, qu'on a battu sur mon thème. Et la charge, n'a battu sur mon thème, ils ont révélation que la personne par rapport à l'émission O. Beaucoup remarqué comment l'émission O, ils allaient adoption de délivrance. Parce qu'il y a un accent mingi sur la délivrance. Particularité à l'émission O, ils allaient. Donc, je vais tant mingi à expliquer le domaine mingi. Je comprends bien. Et mingi na Italie délivrance. Et je vais numéro de relancer Panabino parce que je vais aussi expérimenter. Je vais vous par téléphone pour tout ce que je na délivrance. C'est ainsi que chaque fois que vous avez une émission, vous avez un peu de temps pour vous enseigner, pour expliquer. Si j'ai Oyo et du jour, parce qu'ils ont une mission Oyo Bando Andabiso chaque semaine, et l'on a frère Jonathan. Et dans cette émission, je sais que vous avez des suites, mais mingi beaucoup sungama dans le domaine de la délivrance. Comment est-ce que Zambé a pu faire une révélation Oyo par rapport, il y a 4 ou 4 ans dans cette émission, Moussa Lanzam. Tout le monde a dit que nous sommes l'église a prié à la délivrance, mais je suis venu à l'église. C'est comme si la prière a un impact, c'est comme si Yesu a été en salaté, c'est comme si beaucoup de questions. La vie a été un accident fréquent, un avortement. Tout le temps, dans la vie, il y a un bali, mais il y a un bali, il y a un bali, il y a un bali. Ça, c'est vraiment parti à l'ikambo. Il y a un bali qui a été en bali. Et quoi que sunga bana nzambe pour la délivrance na bango. Je profite de l'occasion pour nous dire quoi zo la nanga awa. Soza na ka ba avortement. Émission aux la bénéfique pour notre tiana yo et nous sommes là pour na ko luka pe ko sunga yo na délivrance. Et frère Jonathan, pesanga ta mukina pesa mo quelques symptômes et puis na rozaval na pour na bana enseignement na biso mo kona lelo. Parmi ba symptômes, il y a sigé autre lobela awa. Lelo. Et parce que si j'ai tout compris, frère Jonathan, on va parler sur les liens spirituels. Les gens qui ont compris les liens spirituels, peut-être dans l'éclaircissement, tu reçois A. Parce que j'ai vu des gens qui ont appris à combattre sur 4 liens, sur 4 liens, sur 4 liens. Les gens qui ont été. Et ils sont allés contre le combat spirituel. Et je dirais que le combat spirituel est peut-être aussi là où je suis. Tu es allé parce que ceux qui ont été en train de se compromettre, ils sont allés en victoire. Le combat spirituel. Nous disons que le combat spirituel, c'est tout un art. Le savoir combattre. Il y a un peu de temps pour nous. Parce que nous avons un principe. Et nous avons l'occasion pour nous découvrir le combat spirituel. Et surtout sur ce qui concerne les liens spirituels. Parce que les liens spirituels, ils ont un sujet qui est exploité dans le cadre de l'Awa. Et ce qui est abonné. Na chaîne Nabiso, aux ala fidèles, je crois que l'enseignement Nabiso na long et en large, aux ala makambo ebele. Il y a quelques symptômes au nazo lobela a. Il y a des gens dans leur vie, azo vivre auto bengi par exemple, et je donne un exemple, immoralité sexuelle. C'est-à-dire quoi? Azo na difficulté comme ba prison, monsieur makambo tali, vie sexuelle nae. Bilo kwane causé. Ba mariage spirituel. Quand je dis mariage spirituel, c'est-à-dire ba mari de nuit, femme de nuit, na kati ya vinae. Et aujourd'hui,
à comment on sonne à combien tel de solong. Aujourd'hui, à se sentir incapable de combien on a parce que frère Jonathan, ma combien lien spirituel est en rôle à combien de la prison spirituelle. C'est quelqu'un qui est, il a du mal, des difficultés à combien on a quatre locomoko au ékangi. Ça devient une prison spirituelle. Nakati a vie à mutuana. Alors, on va parler sur bateau ça lié à l'immoralité sexuelle et impudicité moko exagérée, adultère, azoko kobimaye mo nakata makambwana te, il sait pas ce qui lui arrive nakati a vie naye, nakata mariage, ba tumususu, ba bota toujours bana hors mariage. Qu'est-ce qu'il fait biloko nakata ba vie abatu, ivrognerie exagérée, ba colère moko et exagérée et anxiété exagérée, ba maladie mentale. Bana ba bote na kata famille ba mushumi tu ondire mitu ezaka malamu te mitu malamu te papa osala nyos mama osala nyos mazo comprendre te ba mayela bana zo kokende wapi et mona ba tuzuna kata ba vina bango bazo vivre auto bengi ba stérilité et mutu mushuna kata vina e ba maladie physique moko chronique papa bela kyango poko bela kyango biso bezo kolanda nini zo na kata wana. Oui, je sais que tout le monde a parlé kamba singa ba lien, mais je crois que ba révélation mitu kolobela awa e ko sunga biso. Même yo mtu zulu ananga au zulu ananga na Kinshasa, au zulu ananga na France, zulu ananga e je sais pas na Amérique to wapi, momona malgré église okenda kakuna tisikoza makamusu kwa kolonga ngote. Ce n'est pas que ozo sambe malamu te, non. Peut-être ba connaissance musu kwa acquérir et ko permettre ozoa une bonne délivrance na kata vinao. Et délivrance yo ko zwa wana et ko permettre o émerger au fungama, o kende pe liboso pe olonga et ko terminer na kata vinao. Bref, il y a beaucoup de symptômes autour de la carte, des problèmes gynécologiques, il y a des accidents fréquents, des malheurs, des échecs continuels dans la vie. Il faut vivre l'épanouissement dans la vie. Il faut avoir un changement, il faut avoir un avancement dans la vie. Et il y a beaucoup de symptômes autour de tout au long de l'enseignement dans la vie. Bref, frère Jonathan, on va parler sur les liens spirituels. Vraiment, merci. Na évêque Denis Grasse, où a tu copé sa biso pena introduction sur ce que nous allons parler pendant les temps. Il y a émission na biso où ils ali bongo adoption délivrance. Vraiment, papa, où tu colobé la le combat spirituel. Na ebike bande kobazo landa. Combat spirituel est commis, on dirait, cadeau ou tozolo baba, tu bazo sale la combat spirituel ming. Est-ce que na katia délivrance, combat spirituel, aza na positionnin? Ou est-ce que ndenge bazo sale la ba combat spirituel, eza vraiment ndenge oyo, Bible zo senga penza ya ko sale la yango, parce que tozo mona malgré le combat, mais les choses ne changent pas. Ok, et je pense que. Na kolongana anticipé ma kamboté eza moko ba raison on azo ko invité ba téléspectateurs na biso ba za na attention mine émission oyo pour ba comprendre ma kambo ebélé eza na bato ebélé oyo ba omé na combat spirituel ma vie échanger karaté ba konté ba komo ko lemba ba komo essoufflé pour azo ko comprendre et le quoi liboso faut ko comprendre na combat spirituel nous combattons dans la victoire arrêtez to bunda katé pour to luka victoire. Moto ko bunda pa luka victoire a ko utiliser ba force na inyos ba énergie ne po yenda zo luka victoire. La différence n'est que moto yo azo ko comprendre œuvre à Christ a bunda ka te po luka victoire. Ma bunda na ka ta victoire. Vraiment a bunda ka po na victoire to ngito e ba mo mo. Bunda ko na victoire te. Ma bunda ka na ka ta victoire. Na ka ta victoire. Donc, azo déjà na victoire. Et ce qu'il fait peut-être azo résister ennemi azo ko déstabiliser victoire na e. Azo repousser, azo rekamba droit naye, mais aza na kati ya victoire parce que Christ sa pesa ki biso déjà elonga na kati nango. Il y a beaucoup de choses auto kolobe na kati ya makamba combat spirituel wana. Et le kola le loto zo bela mingi ba lien spirituel, na ko préférer na introduire makasi ce sujet wana, boto ko développer et thème wana ya combat spirituel, ya question oyo et puis ça me biso na mkona lelo. Vraiment olobe lipe tongi toye ba origine vraiment ya lien spirituel les anines. OK, je crois que question ayo e pousengai pour introduire pena malamo enseignement au lien spirituel les anines. Lien spirituel etira ka origine nango wapi e banda ka ndenge nini. Lien spirituel
et ezoko uta na kati habitude ya péché mokobo. C'est-à-dire un péché habituel. Ce qui le sou moko et comme habitude. Le sou mwana et vandi. Ezo oumele comme habitude. Diable a kota kana le sou mwana po akende ko liye nango vie à moutou. Parce que eloko nyonso oza na makasi ya komi bimisa yo mokote. Et comme une prison spirituelle pour nous, et comme un lien spirituel pour nous. Alors, c'est ce que l'origine y a un lien spirituel, c'est un péché. Mais péché n'est pas un péché moko habituel. Donc, un péché habituel, un péché oyo, et tikali loko l'habitude, et qu'ils ont un rôle moutou, nakati y a un lien spirituel. N'a pas cet exemple, parce que nakati y a un si j'ai tout colbé en quatre, il y a un grand thème na biso sur le lien spirituel et tout colbé au moins sept étapes, topé sept pistes oyo bah lien spirituel là quand se forme na quatre bah vie abattu. Je disais que ce qui est à la base d'abord c'est le péché. Na repère cet exemple là. Exemple petit mais nous pour aller dans ce bah 7.1. Point liboso tout colbé par exemple au bah bengi péché générationnel. Je sais que na kati ya péché national ba débat pezele bien na kati mais mission na biso ezé mission ba débatté et mission sur les missions aujourd'hui ko répondre na ba vrai problème ba na nzambe pour avoir délivrance ba débat belé ba nzambe ba vise changer té parce que débat on a besoin les gens nous disent que tango ya Yesu Christo okome kela mosika c'est ce que dit la Bible ezé ndengwa c'est tango okome kela mosika makamutu senine eleki ba lien nangé koyi makamutu senine elongwe péché générationnel est sur Angaïté. C'est comme ça. C'est ce que dit la Bible. Mais malheureusement, tout le monde est sur le terrain. Tout le monde a subi les conséquences. Il y a des sous-moussous et des salatés. Peut-être que les parents, peut-être que les gens ne connaissent pas ça. Et les gens sont victimes de ma cambouane. Ils sont tellement finis. 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 Mais ils se posent des questions. Ils sont tellement finis. Na comme que la mosika bilo ko nzu na impact ta ta vie na ngate nous voulons aider bato alolenge wana c'est-à-dire que débat est arrangé par partie wana les gens qui ne croient pas que nena na kata Yesu bilo ko nse sili oui et c'est sili mais qu'est-ce qui fait que bilo ko ne la mukaka et qu'on te conduire ba vie à bato c'est le péché na pesi vie na na kata Christ ba secret musu comprendre ngota ngolande miso ah je donne ma vie à Christ. Mais quand biloko nzoko landangai, loko la biloko nzali base nango zali le sum et ki nga vinanga, et ko ntoko zaba vika ya masumu vimo koka ezo ya conforme tena nzambe. Facilement biloko wana et ko combattre vinangai. Vraiment comment le lien spirituel et ko ki ko emprisonné moi na nzambe. OK, to kolobela sept domaine, sept comment sept forme il y a un lien spirituel n'ingi ya kanaba vie abatu je disais à liboso to kobe sur le péché générationnel il y a des choses qu'on va expliquer na kati au moins que les gens vont se retrouver et ceux qui vont se retrouver nous sommes là dispo pour les aider dans la prière et à délivrance et construire na kati à prière to kobe la o ba bengi ba lien péché sexuel il y a capé ko enrouler ba to kati ba lien spirituel to ko parler ba péché occulte. C'est les liens occultes. Donc, on parlait sur le péché ou la rébellion contre les parents. Et en roulant, on a un lien spirituel sans le savoir. Il y a des choses à dire là-dessus. Donc, on parlait sur le péché ou les liens liés à la blessure intérieure. C'est-à-dire quoi? Le péché émotionnel. Au ce moment, l'amertume dans la vie à tout. Et tokolobela makamuni nakati oyo ko zoko enrolé nakati ba lien spirituel tokolobela ba péché oyo ezali du nakati ba valeur mondaine ba to ezali ko kangame na biloko mokili comment est-ce biloko mokili zoko enrolé do je vais parler sur le sept forme ba lien spirituel de toko développer nakati ya émission na biso vraiment toko développer place aux ali abonnés na kati ya chaîne GKM TV okolanda vraiment les sept étapes il y a lien pour naba délivrance vraiment to sepeli ndenge tozana avec Denis Grace openza azo pesa biso ba détails pour to yeba nini to koki ko sala pour na kobima na kati ya makambwana mais avec na ina tout na motu na moko parce que ezana ndeko moko azana problème ya mariage
un problème en mariage, a salina fiancé na 10 ans. Mais il commis à officialiser ma cambou, ba para ya moi si bazo boya ki aya ko officialiser ma cambou. Di ya ba recherche et komona ke moi na wana azana kati ya batiaye on dirait sentinelle na kati ya libota. Est-ce que tokoki ko lobela wana za sorti ya ba lienin? Bon, question na yo nangez la mamou ke clair. Moi, je suis allé à la sentinelle de Libota. Yenda linga bala. Yenda linga bala, mais ma para bazo lingate ki bala. Ok. Ma para ba lingite bala. Parce que. C'est-à-dire que bazo peut s'accepter, moi, je suis allé à la Libota. 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 Et en réalité, et comme on dirait, emprisonnement spirituel. Parce que pendant que je suis allé, il y a des réalités spirituelles dans la carte. O ezatamu sukoko ko tambola tendenge mibeko nzambe zali et loko nyoso ozali à l'encontre à volonté nzambe comme péché désobéissance parce tamba para bakangi bakangi na ndenga malamu to akanya ndenga bondoki na ndenga molili et ndi bakanya ndenga molili et loko ba para ba osa bondoki wana ya ngwana li sumoto olobela à cause ya péché wana mwana mwasi za mwana mwasi to mwana mwasi wana akanga mina liamo ko spirituel. Ils ont permettre d'être à côté de la Taliba. Parce que vous avez un compte, il y a péché, il y a pas parent, il y a péché, il y a moins en moins. Ils ont une faute spirituelle. Un péché spirituel. Parce que dans la Taliba, péché, il y a des péchés moraux, il y a des péchés spirituels. Quand on a un péché spirituel, on a un bondoki, on a un bondoki, tout ça. Alors, il y a un peu de côté de la Taliba. Et il y a un peu de côté de la Taliba. Il y a un peu de côté de la Taliba. Mais bondo qui a ba parents et kangié moi que ne liba les alités pour nanin pour ma intérêt na bango propre c'était un peu lien spirituel nyoso base nango fondement nango ezaka ka péché c'est un péché spirituel ba conséquence nini ya ba lien ya ba lien spirituel ko ki ko mema na kati ya vie ya mutu moko conséquence en ono lobi akoko kobala te akanga bia ko ki liba la te mobala ko sala nyoso ngana moni na kati ya ndeko moko na bondelaki na hôpital ya Saint Joseph baye ko benga biso baye ko sola na ngai alingaka ya bala le 5 décembre ko bala alingaka bala eza 5 décembre ya bane otukoleka pendant préparation mariage makamutele ki malamu mais ekomi mobale ya kosa makamunyo so base ba présentation pour que mambo ba dot sera comme bela sera zobela a côté hôpital malade zo mona na te ba kele na hôpital ya Saint Joseph babi ana pour ma pancréas ao le temps ba luka ko soigner pancréas makile zo sile na nzoto ba ozong se makila nde kone ko soana ngai ka ya sœur wana tango expliquer nga réalité na bisé sœur na moni makamuneza spirituel. Tokei Saint Joseph, tokei sambe la pona sœur, pendant que nazo sambe pona sœur, na tuni okenda ke église. Abinanga ke na ke église za chrétien, na ko tu servante sambe la église songolo. Donc moni ke malgré ki servante naye, elle avait un problème. Nazui na tielo boko na tolo, tielo boko na tolo, bazo song se makila, a tielo boko na tolo et na sele ke ke déclaration il bana nzambe wana tesili, pendant ba déclaration wana, na bi ko ba kolo Yesu. Nga na pesa bo monange pa ina. Aujourd'hui, quand on a vu Nangai, on a mon désir contrôle, mon corps, mon lit, ma mabé. Ce qu'on voulait, mon sang, soit contrôle en zone tournante, à quoi que ce soit le bâté. Soit contrôle, mon lit, mon tombeau qui n'a qu'à tenir, n'a tenu yonan, abinga papa n'a pas. D'abord, ça, il n'a qu'à tenir en zone tournée, abino, à coco balaté parce que, à zaka, moi, si nanga. Nazo kawusa mobani na kama mbongo, aussi, me soumbongo, te poa balaité parce que, à zaka, moi, si nanga, ko balaté. Ce qui m'a dit que insisté que Bundana Kaka sera kukufa. Na boy ko continuer prier parce que dans l'hôpital, je suis allé à prier à ma casse, bon côté, na kati, en tout cas, na soit qui risque mon colouan. Il y a aussi Libota, Bobi, c'est la sœur à maladie. Donc nous sommes en d'accord. Comment il débat na kati à Libota parce que mon tombeau semble na kati à religion naï. Et babi, va pasteur, va zala kaka boye. Si wabi msa mousso moutaki koufele kuna. Moi, je dis des choses au moli mwa la kisingaye. Ke ndeko aza maladite. Na ebi si vandeko nengabi aza la poema mariage spirituel. Ana mobale aboutou. Bobi misaye na osa deliverance na ye. Arobi kana maladi wan. Et suis moi 2-3 jours.
oyo bazo boya meka e kontie ko s'aggraver babi misin de kona bakena masina quelque part parce que mwana précise zalité parce que libota bato so ba autoriser te mwana joana to rola ksango bo to comme na libota wana sœur andosa mane église moko boy na otanga kombote nakuti pasteur na ye nakuti ba intercesseur na bango wana nakuti famille bombe fandi parce que likambonga na lobia likamba somo yali kambututumu wa mutawondi mangai azate tufandi tubandi prière 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 pendant que tosa la prière na senti lourdeur na kata prière lourdeur na prière me ba présenter nga ki papa na bango ye or nga na hôpital muto alobi na zoto a sœur papa na bango. C'était pour ma première fois na mona muto alobi na zoto a muto pe mutangwa za la présent to saba de reverse mutangwa zo bana zoto uzane wana te me mukolona zaki présent wana tangu na bando chasser molimo na kata nzoto naye papa alobi na kata nzoto naye papa bisoki nga na nzoto naye songa na nzoto naye ngabi bima na nzoto naye papa aki présent azuba sona nzoto na bima so selinga na bima il était là présent na menacé ser nde esprit a papa e bana nzoto a sœur abi pona ko bebisa libala naye aza wana maladi nyoso ndenga zo bela wana e bandaki na zemi ya longolaki azwaki zemi mobali naye zemi azwaki wana na tie mutema moko moto alongola zemi wana va mariage et pourtant zemi zemi mobali azobala je entends zo comprendre zemi ya yo moko moto zobalanga mais na ke longola zemi ngo pona abi na tie mutema pourtant alongola zemi e compliqué ndenga za na zo police libumu mais na avegle ba docteur ba mona te vrai maladie za na kata nzoto naye do azana likamba nzo police na kata libumu za pancréate na bengani mbolimo wa papa il y avait une maman na kati ya sa ya salon na maman na bibaza kaka mama zo tumboka zo ko ko critiquer tambo mbolimo wa papa bi mina zo ta sœur sœur a koi na se makile bimi ebele a komi ko sene nzamba bisinga esilite ya une dame na kati ya nzoto naye moi si moi na kati ya nzoto naye na menacer moi si wana kombo bimi na kati ya nzoto mama ya moyo mwana moi si wana mama oze ko critiquer pembeni mama na siliki a bimi sœur a su délivrance mais il y avait un problème o mezaki nini zoka panda kinga na zo benga na mulimo wana a papa lobi ke na chaki ya longola zemi mobali nzoka yaki libanda yoki makamboa mobala to si délivrance sera telemi ayoki pepele kimi ekoti na nzoto mutazui guérison mais to chasser des maris de nuit na kata nzoto naye zamba pambolo mutuzo na nga parce que na kata émission tant to parler sur les liens ya ba péché sexuel na ko toucher makasi sur domaine ya ba mariage spirituel mari de nuit femme de nuit parce qu'il y en a ba to musulo ba za ma infection incurable. Et vous qui citez vos femmes de nuit, le mari de nuit, la catavine, bah faire vos marchés. Vous êtes bénis parce que Dieu nous a équipés pour ces choses et nous avons été délivrés. Sœur Abiki, mais il y avait un problème parce que mon bal Abiki, comment moi ça m'ôte ma casse bouille. Aujourd'hui, Zemianga, mon monazo bal, au Bombelinga, au Longoli, pe Zemiang. Oh, c'est qui mille monen. Ya papa. Donc, kito loba famille, Eza à la base, y'a bas lien spirituel na kati na bana na kati ya bana na nzambi to na kati na bato toke famille te parce que famille kakate parce que tantôt on parlait sur ba péché générationnel de tozo mona biloko zo ko tambo na kati ya nini ya libota mais to ko ko parler ba péché sexuel ba péché na musu ya individu zo commettre ba péché musu bango moko do ya des points auto redévelopper na kati o ko mona ke misusu ezana ngo na pomme na famille te mais ba individu. Donc ce que je dirais ezaka ko inviter ba spectateur ba ça l'attention na émission oyo ba ko ko placer attention na bango pour ba ko jouer motuya na kati nango. Voilà, vraiment je vous invite tous vraiment de s'abonner massivement sur votre chaîne GCAM TV et de suivre chaque dimanche votre émission Adoption Délivrance avec l'évêque Denis Grasse, au micro de votre journalité de la presse congolaise, Jonathan Bango. Vraiment, restez toujours branchés, connectés. Vous allez vraiment bénéficier de beaucoup de choses. Évêque, tu as commis vraiment na souka ya émission na biso kota la temps. Tu as évité nini penza ou koki ko lobapo na bana na nzambe ou bazo landa yo. Ok. Mission, d'abord, on a profité pour saluer et bana nyoso mission vie abondante.
ba collaborateurs nanga nyoso, en commençant par mon épouse maman Sylvie Bwenzi et maman Sylvie Sakameso. Na saluer ba nanga nyoso na libota nzamba pambola bango mingi et puis na libota nzambe mobimba. Alors yo mtozola nangai uzamba problème na moni baka o mingi mutake poto banda kenda sali 6 ans wa mukandati mais alota kaka pana bango alota kazongi pana bango alota kapana bango soza kana yo nazoko invite yo au numéro na so contact, on va prier pour toi, Dieu va te délivrer et on te dira comment orienter prière na yo pour ngona ba prisonnement ba accident fréquent. Ozawana okwa kozwa zemité okena nda kwa libal. Ba maladie musu étrange na kati nzoto nayo. Ba maladie moko misu héréditaire o mone tambo na kati libota tout ça. Et ezolanda yo. Ozore make makamusu bika na kati vino c'est comme si bokokana kokana na kati libota, bokokana na kati libota. Surtout ça. Ezola que c'est quelque part il y a un péché générationnel na kati libota na bino. Et ozo vivre makambu oyo et je dirais quoi? Ba ndoto malamuté. Il y a beaucoup de symptômes, bah infection dans autres aussi là haute. Aujourd'hui ma cambo oyo na vina libota na bino mutu moko tazo funga mabonga. C'est une pauvreté moko extrême. Oso déplacé au cas où luka vit quelque part peut-être na mboko zelozo kolandangai, mais rien ne marche toujours. Émission oyo ko permettre au découvrir vrai problème na yo pour orienter une prière oyo za comment une prière mal orienté pe y a un impact pendant une prière aux a révélé une prière aux a directive moko précisité et comme mon pendant que échec à prière on nous sommes là pour na kosunga biso kosunga yo mutozulo anda biso peut-être y a encore d'autres symptômes on a le bio été passé des témoignages avant de koyo balanda biso ba mission ils viennent le bien église de ambisseur moko azola nanga lokola yo sœur wana kotina libala et na kata libaye elle a connu des problèmes. Mais juste au sambela kapona il bague alliance et limo na musapinaye na musapina mobale et bimi na musapina mibale. Je crois que c'est un témoignage au bokolandango live parce qu'il y aura des témoignages bande quoi ko témoigner bon monde ba délivrance peut ba guérison misusu bande quoi monne le bokolanza. Donc je vous invite ya kolanda chaîne massivement mais moyen malama ko soutenir biso eza o s'abonner. Moi malama soutenir biso ali quand tu ozo o aimer pe mam tozolo ba ezo encourager biso poto continuer pour évoluer dans la chaîne O. Numéro à contact, Nabiso, c'est le 00243-89-24-30-97. 00243-89-24-30-97. Deuxième numéro, 00243-82-4999. 00243-82-4999. Au reçoit évêque Denis Grasse, Yemoko et na téléphone. Au reçoit personne, monsieur intermédiaire, t'es parce que ma carte monsieur ali privé à yo. Au reçoit tant que solo là. Puis à partir nango numéro Nabiso au moni à 089-24-30-97. Et appel numéro à WhatsApp. Y'a ma carte monsieur reçoit appel à WhatsApp. Tu solo tu soutenir la carte à prière. Zamba Pambolabino, Nazali, évêque Denis Grasse, Sakameso, pasteur responsable, il y a église mission Vie Abondante, cité de l'adoption. Zambé Apambolabino. Vraiment, Zambé Apambolabino, nyonso oyobolandi émission Nabino, denge kaka évêque Denis Grasse, a oti vraiment koloba, to pesibino mbote na sije, yamunene auto développer le lot sur les liens spirituels et bon continuer toujours kolanda émission nabino adoption délivrance vraiment tokutani na mikolozo ya na ngolu.